Et nous voilà de retour. Je suis toujours votre hôte, Nasty Boule de Flipper, et nous sommes toujours sur Tour Mother. Dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons eu un petit délire psychédélique avec des champignons. Nous étions allés au temple Moria, où on a découvert que Kanako et Sana essaient de faire retrouver à Porky la mémoire. Alors, on a découvert que Porky n'était peut-être pas un si bel ange qu'on le croit. C'est lui qui nous avertit que des extraterrestres avaient été vus près de la Curie Shrine. En y allant avec le réfrigérateur des Nitori, on a détruit le Curie Shrine. On n'a même pas besoin des autres pour détruire le Curie Shrine de toute façon. Et ensuite, on a vu les Starman entrer dans ce gap et Alice les suivre. On a traversé ce donjon et nous voilà. Off caméra, donc j'ai trouvé le Monster Trap, qui était bizarrement appelé le MH Capture, mais c'est le même objet que j'ai donné à Marisa. On s'était quitté donc pour le boss, qui serait apparemment derrière ce gap. Je sais pas si je vais y arriver. Je me souviens que le boss était assez dur. Bon, je l'avais affronté en hard. Là, je suis en easy, donc ça devrait aller beaucoup mieux. What the... Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Alice a été vaincue. Alice est morte! Tuée par Starman. Alice! Marisa, tu es venue? Ce n'est pas un rêve. Ne parle pas, même un yokai peut mourir. Marisa, je me demande ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette position. Je ne sais pas, mais quelque chose dans ma tête a dû me faire faire des choses étranges. Marisa, non, c'est un mensonge. Ouais, un demi-mensonge en fait. Maintenant, même si j'ai l'air d'être forte, ça ne ferait rien de bon. La seule autre personne qui était importante pour moi, c'était toi. Ouais, pourquoi? Je me demande, pourquoi? Pourquoi est-ce que je te veux seul à mes côtés? Incapable de répondre à cette question. Ce que je t'ai dit était quelque peu bizarre, on va dire. Donc j'ai essayé de t'aider. J'ai essayé d'enquêter sur ces gars et je le voulais. Je n'ai fait que pour toi, juste pour que tu sois à mes côtés, c'est tout. Mais c'est la fin. Je suis morte. Oh! Tiens, Alice! Je suis fier que tu pouvais être avec moi. Alice! Je suis désolé. Eh oui, Alice est morte. Enfin, pas encore. Maintenant, elle est morte. Alice est tombée dans un profond sommeil. Non! Et là, le Starman qui nous dit que... Bon, Yuka, allez. Maintenant, le moment émouvant est passé. Barre-toi, Alice. Starman X. Eh oui, il est X, donc il est beaucoup plus puissant. Ça marche toujours comme ça. Marisa devient folle. Marisa transforme tous ses pépés en puissance d'attaque. Eh ouais. Marisa n'écoute pas. Mille cent dommages. C'est cinglé. Ah, par contre, rate pas tes attaques, Marisa, ça m'arrangerait.
Smash 1160 dégâts. Smash. Bon. Ma mémoire me joue des tours, je croyais que ce combat était beaucoup plus dur que ça. Et niveau 14, Psymagnet Alpha a pris. Psymagnet est un sort qui permet de régénérer les PP. Ce qui sera très pratique. Enfin, techniquement, de voler les PP aux ennemis. Plus il y a d'ennemis, plus vous avez de PP. Donc techniquement, comme ça, ça permet à... C'est pour ça que je voulais pas augmenter les PP de Marisa. Comme ça, elle a... De toute façon, elle peut avoir des PP indéfiniment, donc... Reza, tu devrais arrêter de penser que tous les UK sont stupides. Parce que tu l'es toi-même pas mal. Mais elle est toujours vivante. Et oui, Alice n'est pas morte. Je connais très peu de fangames qui ont osé tuer des personnages de tout. Pour pas dire aucun. Et donc on va appeler Erin pour la sauver. Mais on... Donc on va continuer un peu. En fait c'est la zone suivante qui me fait peur, c'est pas celle-là. De toute façon je nous quitterai au début de la zone suivante. Enfin de la zone qui me fait peur. En attendant, Yukari nous a laissé un gap. Donc on va retourner à Inetei. J'aime pas ce son. Je sais pas si vous entendez la musique, mais ce genre de musique, c'est quand les... Je sais pas. Une porte. Ah, un Starman! Raisen! Donne-moi Erin. Donc vous l'avez vu. C'était quoi ça, Raisen? Ça serait la faute de la princesse sans travail. Elle est devenue bien amie avec les aliens. Ah, ah. Un de ces types l'a blessé. Mais si Erin est avec elle... Ah, ça va. Mudanga est gentille, elle va nous aider. Et vu que c'est une apprentie d'Erin, elle a quelques connaissances en médecine. Et vu qu'elle est moins folle qu'Erin... Un suppositoire de la vie devrait faire l'affaire. Donc il va falloir taper Kaguya pour la faire comprendre qu'il faut pas... Oh, j'ai très peur de cette zone. Je vais vous montrer rapidement pourquoi je n'aime pas cette zone. Et puis après je vais vous laisser... je vais m'occuper de préparer le prochain épisode. Allez. Cette rascale est rabbit. En plus, les ennemis sont très résistants. Ah, porte rouge. Ok.
On devrait aller dans toutes les portes rouges. Objet. Et finalement, Rémi obtient le Dead Crimson. Et je ne sais plus d'où vient cette arme. Une arme qui peut aller à Marisa ou Rémi. Je vais laisser la sword, l'épée de vie pour Rémi. Je vais donner le Dead Crimson pour Marisa. Ça m'économisera quelques pp. Enfin, je sais pas si... Je crois que vous commencez à comprendre le problème. Je prends des portes et... On n'a pas vraiment l'air d'avancer. Voilà le problème de cette zone. C'est un labyrinthe. Et vous n'avez pas vu, mais en fait, ce n'était pas un seul couloir que j'ai fait. Il y a plusieurs couloirs. Et c'est tellement un labyrinthe que... Je préfère vous laisser là. Et je verrai le temps que la vidéo a tourné. Si ça fait suffisamment pour faire un épisode, je l'arrête là. Sinon, bah, je vous fais une coupure. Et je vous retrouverai au début de la prochaine vidéo. En attendant, enfin... Non, je vous retrouve dans une seconde. À tout à l'heure. Ou pas. Et de retour, après avoir exploré un peu le bâtiment. Je pense que je vais continuer la vidéo normalement. Et donc j'ai fait un plan de cet enfer labyrinthique. J'ai pris le chemin le plus court. Alors heureusement pour nous, le seul objet à récupérer dans cette zone a déjà été récupéré juste avant. Donc je vais nous rediriger tout de suite vers la fin. J'afficherai peut-être un plan. Si je l'affiche, c'est maintenant. Si je l'affiche pas, bah la vidéo va continuer normalement. Allez, allons-y. Je suis en train de me préparer parce qu'il va falloir que j'aille très vite. Ok, go. Voilà. Ce combat là je vais pas pouvoir l'éviter. Parfait, en plus c'est qu'un seul. Une minute 8 en moins. Donc ce chemin là, comme ça on passe par là. On prend cette porte. Ensuite. Voilà. Je vais bourriner normalement, je devrais... Parfait. Oh, ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai pas eu trop de combats. Et j'ai eu... La route est toujours parfaite. Je ne peux pas l'éviter non plus. Je suis en train de regarder... excusez-moi. Je suis en train de regarder mon plan pour voir s'il n'y a pas plus rapide. Parfait. J'ai plus beaucoup de PP avec Rému. Get away. Hop. Comme ça, ça réinitialise la position des ennemis. Et par là. Et nous voilà. C'était pas si dur. Bon, je vous dis, j'ai mis une demi-heure pour faire tout le plan. Mais sinon, ça a été. Donc le créateur conseille de sauvegarder. Je vais sauvegarder sur une seconde file pour éviter d'avoir le problème. Ah, une source shot dans la boîte. Ouais, je ne sais pas comment on peut se reposer dans une boîte, mais c'est pas grave. Donc, ils nous ont conseillé fortement de sauvegarder, donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose, donc sûrement un boss. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Enfin, si, je sais très bien ce qu'il y a après. Mais... Euh...
Allons-y ou nous allons-y pas? Allez! À l'attaque! Ah yes! C'est ouf! Donc vous êtes finalement arrivé ici. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réalisez seulement que vous demandez à être tabassé? Donc ils vont nous expliquer quelque chose, j'espère. Ah, ils veulent pas nous expliquer. Donc on va d'abord les tabasser. Donc on leur demande s'ils vont aider juste les Starman à détruire Gensokyo. I will take all of Gensokyo for myself. All your Gensokyo are belong to us. Blablabla. On a compris, ils sont complètement en accord avec les Starman, donc faut les tabasser. C'est la mode de Gensokyo. Apparemment, ils ont créé quelque chose avec l'aide des Starman, le Worldwide Voyager Galaxy Naba Project of 1969. Si vous pouvez avoir toutes les références, beaucoup sont à tout goût, certains à Mother. V1969, ouais, c'est vrai mieux. Voyage 1969, c'est une référence au thème d'Erin, évidemment. Au thème du stage d'Erin, je crois. Je crois que celui de Kaguya, c'est Voyage 1970, ou un truc comme ça. Je connais malheureusement pas par cœur les deux stages. Combat! C'est un combat très difficile de mémoire. Donc on va commencer à se défendre. Comme vous pouvez voir, il m'a déjà fait très très mal. Allez, plus vite. Non, je vais... Bon. J'ai réussi à perdre bêtement. Donc, je vais arrêter d'enregistrer. On se revoit pour un deuxième essai. Sans Marisa, je peux pas gagner. Donc, je vais me laisser tuer. Aïe. Et dire que c'est que le début du combat. Par contre, j'ai tout le temps pour mourir. Allez, plus vite. Et on se revoit. Et de retour. Deuxième essai. Blablabla. Blablabla. Ok, donc premier objectif, je dois absolument me shielder tous mes personnages. Est-ce que j'ai besoin du petit shield? Je ne sais plus. Mais dans le doute. Shield. J'avais soigné Marisa. Hey!
Et j'ai encore perdu. Comment je vais faire? Limite, j'hésite à faire exprès de perdre Yuka. Pourquoi? Parce que Yuka ne peut pas soigner, ne peut pas mettre de bouclier. Et elle est toujours la dernière à jouer. Ça me permettra de réagir. Ouais, j'aurais dû... It success, you got your head on it to you. Deuxième fois que vous voyez ce game over. Bon. Bah. Dernier essai, puis sinon, on se reverra à la prochaine vidéo. Troisième. Non. Blablabla. Blablabla, on commence à connaître, je vais 1969, Kaguya et Rin sont les méchants, ils aident les Starman à conquérir Gensokyo. Apparemment, il y a leur maître qui dit « I shall rule under all Gensokyo ». Un truc comme ça. Bon. Shield, le plus important. Je crois que j'ai pas besoin de petit shield, mais je vais quand même le mettre. Ça m'arrange deux fois. Parce que, un, c'est sur Yuka et elle peut se permettre de prendre plus de dégâts que les autres. Et deux, c'est qu'une attaque normale. Allez, plus vite. Continue d'attaquer Yuka, ça m'arrange. Ok. Donc je vais attendre un peu que Yuka récupère tout. Et ensuite, va falloir que je récupère tout. Je pense qu'il ne peut pas casser les boucliers. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que maintenant que je les ai mis, je suis à peu près sauf. Enfin, je l'espère. Allez, monte plus vite. Monte plus vite. Au pire, je couperai. La prochaine fois que je dois faire ça. Parfait. Ok, soignons Marisa, c'est la plus urgente. Je m'embête même pas à utiliser des sorts de Marisa pour l'instant, je les utiliserai après, mais vu que ça prend un peu plus de temps. Bon, je vais laisser les gens récupérer. Yuka tape mal, mais les autres devraient pouvoir s'en sortir. Bon, je couperai. Go. Prends-toi ça. Désolé si je parle pas beaucoup, mais il faut vraiment que je me concentre. Je sais pas, c'est vraiment l'un. Ah bah, là, tous mes personnages récupèrent, donc j'ai plutôt intérêt à attendre. On se revoit tout à l'heure. Oh là là. Allez, plus vite.
Allez, go, ça suffit. Arrête de faire ça! Faut vraiment que j'arrête de faire des attaques. Oh! Mortal damage. C'est pas grave, j'ai le temps. Allez, récupérer, récupérer. Here we go. Un bon smash pour continuer. Dernier soin. Allez, plus vite. Oh. Vite, il faut vite que ça se termine, sinon je sais pas ce que je vais faire. Oh oui. 5000 damage pour qui arrive et qui se jette sur le V. C'est... Oh, quel boss, quel boss. C'est le boss le plus dur de cette phase de jeu. Porky, rôle de machine. Bien joué, tu m'as sauvé. Lady Rému, Lady Marisa. Non, juste Rému, juste Marisa. Oui. Je pense que c'est moment que d'arrêter de jouer Ami. Mon nom est Porky, Porky Minch. Le plus intelligent, le plus cool et le plus génial de tout ce monde, Porky Minch. Et je suis venu dans votre petit Gensokyo juste pour, avec une raison en tête. Je suis venu avec les Starman pour régner sur Gensokyo. Quoi ? Porky nous trahit ? C'était un méchant depuis le début ! Il a cherché depuis longtemps un monde où dans lequel il pourrait être le héros. Miyuka qui sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre depuis le début. Et Rému, Marisa, vous ne serez pas nécessaire. Hey Rin, tu vas quand même tu vas écouter ce type s'il parle comme un dictateur. Ouais, oui, pourquoi? Et ce n'est plus amusant. Cependant, le monde va peut-être changer. Eh oui, on va aller. On va, tapons Porky. Non, activez quoi? Ils vont activer quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Neophase Distorder version XXAY. Où ils vont arriver, personne ne le saura. Et un mois passe. Vous reconnaissez certainement la musique? Ce n'est pas du Mother. En effet, c'est du Metroid. Ce n'est... We can't spare no time. On ne peut perdre rien perdre de temps. Je vais aller droit au but. Il semblerait que Porky a regagné sa mémoire. Et qu'il n'est pas un ami. Il est là pour interférer avec avec le bon Gensokyo. D'après ce que j'ai vu... Il prévoit de rapprocher Gensokyo du monde extérieur. Cependant, Kanako a gagné beaucoup de fois, Kanako ne veut pas agir. Sanekotian. Kotian, ça fait bizarre, je suis toujours... Enfin,
Je crois que son nom canon c'est Kotchia et pas Kotian. Kotian. Ah, c'est peut-être une référence à Samus Aran. Kotian Aran. Je t'assigne à cette mission. Aucun nom bizarre, tu dis? Oui, c'est bien ce que je pensais. Oh. Cela fait un mois que Porky a récupéré sa mémoire et a commencé à agir en secret. Quelle que soit la raison, l'équipe de Rému et la famille Yakumo n'ont rien fait. Pour cette raison, je veux que tu ailles dehors. Ailles dehors. Sors un peu, espèce de geek. Arrête de rester sur l'ordi. En train de jouer à Metroid. Et rassembler des informations sur ce nouveau Gensokyo que Porky crée. Les Tengu ont leur rumeur, mais on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Mais attends, Sané. En ce moment même, tu ne serais même pas capable de descendre de la montagne de manière victorieuse. Parce que pour maintenant, tu n'as plus le support de Kanako, l'aide de Kanako, le soutien de Kanako. Pour cette raison, tu ne peux plus faire aucun miracle. Et te prêter mon propre pouvoir serait juste di difficile, pour être honnête. Si tu devais te combattre par Porky, juste maintenant, tu perdrais certainement. Maintenant, tu dois même te méfier des Mister Ghosties. On les a pas vus, mais les Mister Ghosties sont les tout premiers ennemis du jeu. Donc, pour que tu puisses faire quoi que ce soit d'utile, il faut te prêter des équipements. Je ne peux pas vraiment te montrer les premières données. Je ne peux pas vraiment te montrer, mais la première salle de données. Désolé. La serrure de la première salle. La serrure de sécurité de la première salle de données a été débloquée. Va là-bas. Une fois là-bas, télécharge les données sur les missiles. Est-ce que c'est compris? Oui. Maintenant, get moving. Ah oui, Sané, porte mon chapeau. Ça nous permettra d'être en communication permanente. Maintenant, nous avons Sané avec un chapeau Siwako. En fait, c'est moche. Ça ne t'allait pas, alors vous l'avez retiré. Screw you. Donc, je crois que le jeu a pris un... Le tournure des événements a pris... est devenu très intéressante. Et donc, je vais vous laisser là. Je sauvegarde. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Après pas mal de souffrance sur ce satané boss. Aïe, aïe, aïe. Ça devrait aller un peu mieux maintenant. Je l'espère. Mais... Bye bye!